Allez, c'est parti pour le bac 3. Donc, je vous ai déjà découpé et bavuré les fusées porte-fusées. Enfin, porte-fusées échappe. Qui là, par contre, ça se enlève pas tout seul. Et puis, on va commencer. Voilà, donc fusée. Front axle, yep. Donc steering block 4 mm. Alors on a deux des porte-fusées et les 3R et des 3 et les 3 et il y a des 4. Alors donc il y a des pour des axes de j'ai pas compris. Ah oui, c'est pour des c'est ça je sais pas. Écoute, ils disent de prendre des 4. Si tu sais, tu me dis, parce que là je suis 4, voilà. On a un jeu de trop. Donc jolie petite fusée. Alors ça se monte comme ça. On met encore une fois les demi. Ça je suis franchement, ces demi roulements protégés là, ça me sidère. Je suis sidéré, c'est un truc de fou. Des petits roulements par contre, hein, qui ouvrent Dieu. Donc on met la partie exposée. Hop. Les petits trucs bleus. Ah oui, un petit 10, pardon. Avec un petit bleu titre. Après, on a ça. Qui va venir comme ça. Ok. Par contre, d'abord, on a notre petite en bibille en 8. Ça vient au bout naturellement. Avec encore une petite rondelle bleue du pub LFS. Ça ne peut pas nier. Un petit écrou. On va visser là-dessus. Un petit écrou noir, on le disait. Discret comme il faut. Voilà. Tac, ça c'est bon. On y est. Et puis des 3x8. On y est. Marching gun. Alors, les petits inserts que l'on a, qu'on met dans les chopes. Donc ça, faut le faire. On a fait une left. Alors, on va faire ensemble, on va faire le complet left. Voilà, ensemble. Et puis je ferai le right tout seul. Hein. Donc, les petits éléments qui te permettent d'avoir plus ou moins
d'angle de carrossage, caster, pincement. C'est pas dans ce sens-là, caster. Chasse. 0, moins de 5, plus ou moins, plus ou moins de 5, plus ou moins 5. Plus 5 et OK. Ah, c'est bien, t'as un petit... Alors, ça paraît, il faut que ce soit bien coupé. Mais ben non, tu vois, ça sert des fois facile. Mettre un petit coup dedans, quand même. Donc, t'as un petit bloc comme ça, avec le numéro dessus. Avec 0, là, tu vois, ici, c'est 0, évidemment. Moi, il faut que je prenne 5. Donc, 5. Et donc, tu l'insères là-dedans, ici. Et donc, là... Petite encoche vers le haut, ça veut dire plus. Attends. Petite encoche vers le haut, ça veut dire... Ça veut dire plus, c'est ça. Donc on est en haut, ça veut dire plus 5. Tap down. Positive caster. Plus 5, ok, on sait juste. Voilà, ça donne ça à l'assemblage. On va prendre ensuite la plus longue. Tac, petite rondelle, non. Voilà, par contre. Écrou emprisonné. Ici. Donc en fait ça te rajoute de la chasse. En gros tu as mis 25 ou 30 degrés avec l'élément du dessous et tu rajoutes plus ou moins 5, plus ou moins 2,5, plus ou moins 0. Donc au total ça t'additionne, voilà, pour avoir une chasse. Donc ici on est à on a dit 25 plus 1, on a 30 degrés tout simplement. Tout ça, la chasse donne plus ou moins d'efficacité sur ton train, en fait. Tac. Donc ça, c'est du classique. On met les petits inserts. Hop. Ici, alors, est-ce que... Eh ben voilà, donc c'est bien fait de regarder. Maintenant, tu vois, je suis un peu habitué. Il y a le plus gros, plus épais en bas. Tac, et le plus gros au-dessous. Et c'est toujours sympathique pour que ça tienne dessus. C'est toujours sympathique pour que ça tienne dessus. On peut déjà mettre. C'est du combien? Du 14. 14, ça doit être ça. Bon, on s'énerve pas. Tac. Voilà. On remet ça. Hop. Donc voilà. Donc, on fait la même des deux côtés, on est d'accord. Tac, on se met comme ça. Voilà, on s'aligne. On s'oriente. Et donc... On est comme ça, côté left.
Tout à fait. Pour l'instant, au niveau de l'orientation, il ne faut pas de surprise entre le plan et les trucs. On se met... Alors, il y a un petit spacer. Si tu le dis. Une petite rondelle bleue. Ça, c'est embêtant. Même système hein, à débloquer. Voilà, là. Et puis on va venir par-dessous, j'imagine. Non, on bloque même pas. Non, on bloque pas ici, contrairement à l'autre, on bloque pas la chose. Donc voilà ce que ça donne une fois. Et puis, on va construire la deuxième. Voici, à plus.